Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. Quelle joie, quelle joie, quelle joie immense vraiment de nous retrouver en ce matin. Dans le nom du Père Créateur, dans le nom du Fils Sauveur de nos âmes et dans le nom du Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous console. Ce même Saint-Esprit-là que nous avons reçu il y a quelques jours. Mais ne te dis pas simplement que je l'ai reçu ce jour, c'est fini. Non, ce même Saint-Esprit se veut vraiment dans ton quotidien, se veut vraiment dans tout ce que tu fais. Voilà pourquoi nous disons encore à ce même Saint-Esprit, hein, descends encore favorablement dans chacune de nos vies. Descends encore, parce que nous avons véritablement besoin de ton feu. Nous avons véritablement besoin de ton feu. Voilà pourquoi ce matin, de ta position, de là où tu te trouves, je t'invite tout simplement à prendre ce cantique avec moi. Mais bien au-delà d'un chant, que ce soit vraiment une prière encore que tu adresses au Paraclet de Dieu. Que ce soit vraiment un soupir que tu adresses à ce Consolateur-là qui nous a été promis. Que tu puisses adresser vraiment ton cri, que tu le laisses vraiment monter pour que le Saint-Esprit encore vienne t'enivrer de sa présence encore, qu'il vienne encore te fortifier là où il y avait encore ton âme, là où ton âme était assoiffée, là où ton cœur encore le réclamait, parce que tu te dis tout simplement, je ne l'ai pas senti en moi à la Pentecôte, parce que tu te dis tout simplement, non, je ne l'ai pas touché, non, je ne l'ai pas vu à l'œuvre dans ma vie. En ce matin, une occasion encore t'est donnée de pouvoir laisser parler ton cœur, de pouvoir laisser parler ton âme dans la présence du Seigneur, mais plus dans la présence du Saint-Esprit qui se veut favorablement dans ta vie. Alors que le Saint-Esprit encore vient t'embraser de sa présence, qu'il vienne encore te faire du bien, qu'il vienne encore tout simplement te relever de tes chutes, que le Saint-Esprit encore vienne encore te guérir de toutes ces blessures-là, que ce soit des blessures vraiment intérieures que tu gardes encore au fond de toi, que par son divin feu, qu'il vienne encore consumer tout cela, qu'il vienne encore te faire du bien, redonner encore de la joie, redonner encore de la paix, redonner encore le baume de son salut. Alors lève-toi et loue, même si tu dois pleurer dans cette louange, pleure, pleure dans la présence de Dieu. Amen. Ton feu, ton feu, ton feu.
le feu du Saint-Esprit. Nous le voulons favorablement dans tous les domaines de nos vies. Et à toi, femme, il vient te dire ceci en ce matin. Ne t'attriste pas, laisse tout simplement le feu de ma joie t'envahir de là où tu es. Là où tu étais désespérée, parce que ton enfant est perdu, parce que tu as tapé à toutes les portes, mais ton enfant est perdu. Ton enfant n'a plus de respect pour toi, ton enfant t'a rejeté. Mais le Saint-Esprit vient encore te consoler en ce matin, en te disant, femme, ne pleure pas. Femme, ne t'inquiète pas, parce que mon divin feu vient encore te fortifier dans cette épreuve. Mon divin feu vient encore te relever de cette chute. Et mon divin feu encore viendra embraser et consumer tout ce qui ne confessait pas le nom de notre Seigneur Jésus dans la vie de cet enfant-là qu'il t'a donné. Parce qu'il a permis que tu puisses porter cet enfant en ton sein. Alors ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et que cette louange-là vienne encore te faire du bien, que cette louange-là te fortifie, alors qu'il t'embrase de là où tu es, que son feu t'envahisse de là où tu es, qu'il t'envahisse véritablement. Amen. Embrase, 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 embrase. C'est dans cette atmosphère de louange, dans cette atmosphère de gaieté, de joie, dans cette atmosphère de paix, vraiment dans la présence de notre Consolateur du Saint-Esprit, que je te souhaite véritablement de passer une excellente et sainte journée. Et continue encore dans cette louange, que ce soit même une louange par un soupir. Laisse tout simplement monter cela vers le Saint-Esprit et il saura véritablement venir à ta rencontre pour te faire du bien. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie à toi.